Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment jouer des accords avec cordes étouffées. C'est quelque chose qui est extrêmement courant, quasiment tous les accords qu'on joue en guitare ne contiennent pas 6 cordes qui résonnent. Il y en a quelques-uns, mi majeur par exemple, il y en a, mais la majorité, il ne faut pas jouer toutes les 6 cordes. Et donc il y a des cordes à étouffer. Ça va être beaucoup trop dur d'éviter certaines cordes avec le médiator. Donc on va les étouffer à la main gauche, et je vais vous expliquer comment faire ça dans cette vidéo. Un des accords les plus connus qui contient une corde à étouffer, c'est l'accord de Do majeur. Très courant en accompagnement, il y a la corde de Mi grave qu'il ne faut pas faire résonner. Sinon ça change l'accord. C'est pas horrible, mais c'est plus exactement un Do majeur. Donc il faut l'étouffer, il y a plusieurs façons de l'étouffer. On peut l'étouffer avec... ce qu'on fait le plus couramment, c'est qu'on utilise ce doigt qui va un petit peu, donc qui va faire exprès d'être posé sur la corde de là en dépassant un peu vers le haut de manière à érafler cette corde de mi. Et donc du coup elle est étouffée. On n'a plus à éviter la corde de mi grave avec le médiator. Et il y a une autre façon de faire, c'est celle que j'utilise, c'est avec le pouce. Donc on pose le do majeur. Avec le pouce, on va étouffer, on va, pareil, érafler la corde de mi grave et on étouffe. Donc c'est à la main gauche qu'on étouffe cette corde-là. Il va falloir à chaque fois trouver des astuces pour étouffer les cordes qu'on ne souhaite pas faire résonner. Prenons un autre exemple, mi mineur en barré case 7. Donc, la corde de mi grave, il ne faut pas la jouer. Alors pour un mi mineur, c'est pas très grave, parce que c'est un mi, donc en fait elle n'est pas vraiment interdite. Mais si on fait un fa mineur, allez. Bon là ça sonne pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser ce doigt là, qui va pareil, monter un petit peu, donc faire exprès d'être posé un tout petit peu trop haut, et érafler la corde de mi grave. Et du coup, on n'aura pas à éviter la corde. Et on n'aura pas le problème de la corde de mi grave qui résonne. Maintenant, un autre accord, un mi 7, case 7. Les cordes de mi aigu et de mi grave, il faut les étouffer. On ne souhaite pas les jouer lorsqu'on joue cet accord-là. Donc, la corde de mi grave, on peut l'étouffer avec le pouce ou éventuellement. C'est la même technique que le do de tout à l'heure. Avec ce doigt qui va traîner sur la corde ici. Et la corde de mi aigu, on va se débrouiller pour avoir pas trop les doigts qui ressortent bien droit du manche, mais plutôt un peu en biais, en prenant la guitare à pleine main, comme ça. Et on va l'étouffer avec un ou plusieurs doigts. Moi, je l'étouffe avec plusieurs doigts. J'étouffe avec ce doigt qui la touche un peu et celui-ci. Donc il y a deux doigts qui étouffent la corde. Je me débrouille pour bien appuyer sur les notes que je souhaite faire résonner et le reste de ma main, il vient un peu s'écraser et traîner sur les cordes pour les étouffer. Quand vous travaillez ça, ça paraît peut-être facile parce que j'ai beaucoup joué des accords et puis du coup maintenant je sais tout de suite quelle position adopter pour étouffer les cordes. Mais quand vous travaillez ça, ça ne va pas marcher du premier coup et il faut bien le faire rigoureusement en vérifiant que note à note, ça sonne. Et maintenant un dernier exercice encore plus compliqué puisqu'il y aura encore plus de cordes à étouffer. On va prendre un enchaînement d'accords, un mi mineur et un si 7 renversé, donc comme ça, et un si 7 comme ça. On va jouer comme ça. Sauf qu'il faut étouffer les cordes. Alors là, ce qu'on peut faire. Là, c'est faisable. Donc j'ai le pouce qui vient sur les deux cordes graves et ce doigt il traîne sur la corde aiguë et ça fonctionne. Une autre possibilité. Donc en fait, c'est de faire un barré qui étouffe toutes les cordes après le mi mineur. L'inconvénient, c'est que ça nous oblige de changer de position, c'est peut-être pas le mieux. Donc la première possibilité, elle était pas mal. Vous pouvez essayer d'autres doigtés hein, pour voir si c'est plus pratique.
un peu plus dur. Donc la première possibilité, c'est ce qui me paraît le plus adapté. Donc c'est à vous après de voir en fonction de votre morphologie, de ce que vous aimez bien, les différentes façons d'étouffer les cordes, ce qui correspond le plus à votre main. Et pour finir, un enchaînement d'accords de chansons, on pourrait dire, dans lequel il y a pas mal de cordes étouffées. Donc c'était pour ce Ré mineur et le Ré mineur basse Do qu'il fallait étouffer pas mal de cordes. Et le Si bémol renversé sur le Ré. Dernière chose, pour certains accords et certaines cordes étouffées, vous allez, pas de chance, tomber sur les harmoniques des cordes. Par exemple, si j'étouffe ma corde de Mi avec ce Mi mineur, j'ai l'harmonique de la corde de Mi qui va résonner. Donc si je veux faire une rythmique reggae par exemple, ça va faire... Il y a ce Mi qui est étouffé. Donc deux possibilités. La plus difficile, c'est d'étouffer la corde à un autre endroit. Donc par exemple, je peux l'étouffer ici avec le pouce. C'est-à-dire qu'il faut, s'éloigner de cet endroit-là. C'est là où il y a l'harmonique. Hein. Donc je peux faire ça par exemple. Là, ça fonctionne. Mais ce que je peux aussi faire, c'est utiliser un chouchou. Un chouchou pour s'attacher les cheveux que je vais mettre à un endroit qui va en fait casser les harmoniques. Donc là, elle résonne plus, l'harmonique. Encore un petit peu. Donc je le change d'endroit. Encore un petit peu. Là, c'est mieux. Donc, j'essaie de l'étaler un peu sur les cordes. Je le serre plus ou moins. Moi, je me suis... C'est vraiment système D. Hein. Je le serre plus ou moins avec une accroche comme ça qui plaque plus ou moins les cordes, qui appuie plus ou moins dessus. Donc ça, c'est ce qu'utilisent en fait plein de musiciens en studio. Il y en a même certains qui jouent avec un son tellement saturé qu'il y a souvent facilement des parasites, tous ceux qui font du tapping par exemple. Donc ils ont souvent sur le manche de la guitare un chouchou. Vous le voyez sur les vidéos, il n'y a pas de honte à ça quoi. Donc c'est pour casser les harmoniques, c'est ça l'idée. Savoir bien étouffer les cordes lorsqu'on joue des accords, c'est utile dans tous les styles de musique. En funk, en jazz manouche, en jazz, en rock, en blues, en accompagnement de chansons, dans tous les styles de musique, c'est utile de savoir faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris pas mal de choses. C'est une vidéo qui est annexe à l'autre vidéo que j'ai faite sur YouTube qui s'intitule « Jouer avec un son propre à la guitare électrique ». N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube pour travailler sur les playbacks, mais aussi pour voir les autres tutoriels. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site « Guitare Improvisation ».